Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Comme c'était annoncé dans l'autre émission, on va parler des relations amoureuses. On avait parlé de la première étape d'une relation amoureuse, on avait parlé de la passion. Alors, dans cette vidéo, dans cette capsule, nous allons parler tout simplement de la deuxième ou peut-être même de la troisième étape de la relation amoureuse. Ça va dépendre. Alors, si vous êtes intéressé, restez des nôtres, restez branchés, connectez-vous, partagez avec vos amis, partagez sur les réseaux sociaux. Alors, et revenez-vous après la pause. Dans notre dernière rubrique, on avait parlé vraiment de la passion. Vraiment, comment la passion est importante pour la relation amoureuse. Mais est-ce que la passion va faire continuer, va faire durer la relation amoureuse? Si oui, comment? Alors, l'autre étape qui suit la passion, après que ils se rencontrèrent, il y a eu des flammes dans les yeux, ils se sont rencontrés et ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Combien de temps ça dure la passion? J'ai fait des petites recherches et en moyenne, cette passion-là dure à peu près 3 ans. La science a toutes sortes d'explications par rapport à nos ancêtres, les premiers humains sur la Terre. Il fallait à peu près 3 ans à peu près pour que l'être humain puisse se rencontrer, puisse se reproduire et ainsi de suite, patati patata. Mais on sait que dans la passion, qu'est-ce que les experts nous disent? Les hommes et les femmes, ils s'engagent dans l'étape de la passion. Est-ce une bonne idée? Est-ce une bonne chose? Est-ce une bonne décision? On va voir. Donc, dans l'étape de la passion, les gens, la plupart du temps, ils se marient, c'est merveilleux. Mais la question qu'on peut se poser, que les experts tout simplement peuvent se poser, ou du moins la question que je me pose, est-ce qu'on se connaît vraiment? Parce qu'on est beau, on est charmant, on est merveilleux. Comme disent, je ne sais pas, de chez moi, je suis haïtienne, on est sur nos 31, ou peut-être c'est une expression partout. On est sur nos 31, on se fait des yeux doux, on s'aime, on est parfait, on est vraiment, on présente à l'autre toutes les choses, peut-être comme, peut-être c'est nous-mêmes, c'est peut-être une facette de nous de façon exagérée, mais quand même, on présente des aspects positifs de nous. Est-ce qu'il y a juste des aspects positifs dans la vie? Est-ce que l'autre sait de nous les côtés sombres, les côtés ténébreux de nous? Je vais vous piquer avec une petite aiguille, je vais vous péter votre balloune, comme disent les Québécois. Non, pas nécessairement. Parce que l'autre étape va nous dire beaucoup de choses. L'autre étape, c'est ce qu'on appelle la lutte de pouvoir. Donc, après l'étape de la passion, ils se rencontrèrent, ils s'envoyèrent des flammes de feu, d'amour, et la flamme jaillit, et la passion, le désir, un beau cocktail, je ne sais pas de quoi, mais il y a quelque chose qui va les rattraper plus tard. C'est la vie de tous les jours, c'est l'étape où je découvre l'autre tel qu'il est, où l'autre me découvre tout simplement tel que je suis. Et tel qu'on est, des fois, c'est peut-être pas nécessairement attirant. Tel qu'on est, des fois, on veut pas que l'autre connaisse cette étape de nous. Eh oui, cette étape, cette lutte de pouvoir, quand l'autre découvre qu'on n'est pas le beau prince ou la belle princesse. Je ne sais pas s'il faut que je dise, est-ce qu'on nous ressemble plus à un crapaud ou un prince? Est-ce qu'on ressemble plus à la mégère
que la princesse, on ne veut pas du tout ça. Mais lorsqu'on arrive dans cette étape, c'est vraiment comme on découvre l'autre vraiment pour ce qu'il est vraiment, pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est réellement. La réalité peut vraiment nous surprendre. On peut être vraiment déçu de la réalité de l'autre. Et c'est là que je trouve que la chose extraordinaire, on n'est pas tout à fait décevante à ce point-là. Je me suis mariée et regarde, pour ceux qui me connaissent, j'aime connaître, j'aime découvrir. Et ce n'était pas si affreux que ça pour ma part, de mon côté. Je n'ai pas trouvé que mon mari était un crapaud. Et je ne pense pas non plus qu'il m'a trouvé que j'étais une mégère, une femme. Exagéré tant que ça, qu'on était aussi laid. Non, ça va dépendre de chaque personne. Ça va dépendre vraiment de la personnalité. Ça va dépendre vraiment de la culture dans laquelle on a été élevé. Ça va dépendre de notre éducation. Ça va dépendre de nos expériences de vie. Donc, cette lutte de pouvoir pour certains, cette lutte de pouvoir peut ne même pas exister pour certaines personnes. Ils vont passer à d'autres étapes. Et pour l'avoir vécu, quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, je n'ai pas vu j'ai même pas vu cette lutte de pouvoir dans le sens que si elle était présente, mais très, très, très peu présente, puisque dès le départ, dans cette période dite passionnée, où je l'ai rencontré, c'était merveilleux. C'était merveilleux, tout simplement. Bon, il ne faut pas non plus que je dise pas des choses, il faut que je dise vraiment la vérité. C'était merveilleux parce que d'un côté, j'avais beaucoup fait un travail personnel. J'avais fait beaucoup de l'introspection dans ma vie. Et quand je suis rentrée dans cette relation, je m'étais dit que je vais être la meilleure version de moi-même. Je m'étais dit que je vais donner à cette personne que je suis en train de découvrir la meilleure version de moi-même. J'avais pas d'attente envers cette personne dans le sens que j'avais beaucoup lu là-dessus, dans le sens que je m'étais dit tout simplement, c'est moi qui vais donner à cette personne. Je vais faire en sorte que cet homme soit l'homme le plus heureux au monde. Et je peux vous garantir, si on m'avait rencontré peut-être il y a 20 ans, il y a 20 ans de ma vie, je n'aurais pas cette façon de penser. Je n'aurais pas cette manière de penser. Donc, cette relation de couple, je pense que c'est la plupart du temps tous les couples, tous les gens qui sont ensemble, qui veulent former un couple, qui veulent avoir un avenir avec leur partenaire, veulent ça. Est-ce que c'était parfait? Non. Mais cette étape de lutte de pouvoir, comment je pourrais dire je ne l'ai pas vécu en tant que tel. Est-ce que je suis la bonne personne pour vous expliquer la lutte de pouvoir? Oui, je vais quand même essayer de vous l'expliquer. J'ai donné l'exemple pour dire que après la passion, il y a quelque chose qu'on peut faire. Après la passion, même quand on vit une lutte de pouvoir, on était déçu tout simplement parce qu'on avait beaucoup d'attentes envers l'autre. Un exemple comme attente, il va m'aimer pour la vie, il va faire ce que moi je veux, il va combler tous mes envies, il va combler tous mes désirs. Quelle autre attente? On va avoir, je sais pas, ça va être le désir va être au plafond à 100% à tous les jours. On va faire l'amour 3 fois, 5 fois par jour, je sais pas, on va devenir vraiment les meilleurs amants du monde et y a rien qui va nous arrêter. Et c'est l'amant parfait, je vais être l'amant parfaite, pas nécessairement. À ce point-là, dans ce sens-là. Je ne me disqualifie pas. Mais quand même, les attentes n'ont pas été au top. Je sais que on a tous des défauts. Nous avons tous des défauts. Et le fait de montrer tout simplement juste une partie de nous-mêmes fait en sorte que on se cache sans même le vouloir, de façon consciente. Par honte, par crainte, que si l'autre nous découvre,
il va pas nous aimer. Par crainte, si l'autre nous voit notre authenticité, non, il va pas nous accepter. Et moi, je vous dis, c'est fou. N'hésitez pas. Si vous êtes dans cette rencontre et vous sentez comme, oh, c'est de la bisbille, on a plus tendance à blâmer l'autre, on a plus tendance à mettre toujours la faute sur l'autre. Je ne dis pas que je suis l'exemple parfait. Non, non, pas du tout. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis dans cette lutte de pouvoir? Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup d'attentes? J'avais beaucoup d'attentes? Est-ce que c'est parce que j'avais mis un masque? Parce que, regarde, on vit dans une société, dans une culture de paraître. On veut tout simplement paraître et non pas être. Est-ce que j'avais choisi plus le côté paraître? Parce que c'est beau, c'est fancy. Et être, comment être si on ne m'a pas appris à être? Et c'est tout à fait normal. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir si vous êtes dans cette amalgame, dans cette, comment je pourrais dire, dans cette explosion de pouvoir où il y a de la friction entre l'autre et peut-être même, il peut même y avoir du dégoût envers l'autre. Oh, je le déteste, et l'autre, c'est un imposteur, je le connais plus ou je la connais plus, peut-être que c'est votre cas, peut-être que c'est pas votre cas, mais si c'est votre cas, juste prendre le temps, juste respirer. Moi, je dis, c'est tout à fait normal. Et quelque chose qui est tout à fait normal, il faut l'accepter. C'est une constatation. Mais est-ce que ça veut dire que une constatation, il faut rester avec cette constatation toute notre vie sans passer à une autre étape, puisque on parle de 5 étapes de la relation amoureuse. Et pour vous qui me regardez, je désire de tout mon cœur que vous puissiez vraiment faire le tour des 5 étapes et que vous puissiez vraiment cheminer dans votre relation amoureuse, que vous puissiez vous épanouir. Alors la deuxième étape, c'était la lutte de pouvoir, cette lutte de pouvoir où il y a plus d'orage que de passion, il y a plus d'orage que d'éclairs, que de flammes, de feu, de désir. On n'a plus ça. On est dans la lutte de pouvoir. On veut savoir, on veut tirer, on veut boxer, on veut tout faire, mais sauf la bonne chose. Et vous savez quoi? C'est tout à fait normal. On prend le temps pour décompresser et se dire que c'est tout à fait normal. Ça se peut que avec le temps, en faisant de l'introspection, en lisant des livres, en parlant avec des amis, en ayant un conseiller autour de vous, si dans votre couple, vous avez eu cet orage, ça peut passer. Et en allant chercher de l'aide extérieure d'un professionnel, d'une professionnelle, sexologue, psychologue, oui, vous pouvez passer à d'autres étapes. Vous pouvez vraiment faire en sorte que de vous épanouir dans votre couple malgré cette étape, parce que cette étape, après la pluie, il y a le beau temps. Si la lutte de pouvoir, c'est la pluie, le beau temps peut être là. Le beau temps peut arriver si vous mettez un peu de soi, si vous prenez le temps d'en parler. Si peut-être que vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous êtes là vraiment, c'est parce que vous voulez avoir des solutions concrète pour mettre en application. Parce qu'on avait parlé de la première étape, la passion. C'est tout à fait normal. Vous êtes rencontrés, c'est merveilleux. Maintenant, c'est la lutte de pouvoir. Ah, on découvre l'autre, on commence à le découvrir, on commence à la découvrir, on commence à vraiment voir les côtés les plus sombres. Et qu'est-ce que je fais avec cette étape-là? Est-ce que je sors de la relation? Est-ce que je reste? Est-ce que je subis la relation? Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, comment savoir, c'est quoi l'autre étape, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je pense que la prochaine étape, c'est pour vous. Je pense que la prochaine rubrique, c'est pour vous. Si cette rubrique vous a intéressé, partagez-la sur vos réseaux, dans vos réseaux sociaux. Partagez-la avec des amis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires. Si vous avez des sujets, un sujet que vous aimeriez qu'on puisse débattre, n'hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant tout simplement sur les liens qui apparaissent au bas de l'écran. Donc, pour aujourd'hui, moi je veux vraiment prendre le temps
que vous puissiez vraiment bien comprendre c'est quoi la relation amoureuse, les étapes que vous pouvez vivre de la relation amoureuse sans que ça vous dérange dans votre couple en disant, ben là, il n'y a plus rien à faire. Mais non, si c'est normal, il y a quelque chose à faire. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine pour une autre rubrique. Mouah.